vingine. Aujourd'hui, c'est le 30 juin. Leo ni tarehe selasini au makumi tatu wa mwezi wa sita. C'est pas de la politique que j'ai fait. Si kwamba nakuja fanya siasa hapa. C'est le 30 juin. Leo ni tarehe makumi tatu juni. Journée de l'indépendance de la RDC. Siku ya uhuru wa Kongo ya kidemokrasia. Partout. Popote. Quand on dit l'indépendance, wasemapo kuhusu uhuru wa nchi, cela voulait signifier sortir de la colonisation. Ikimaanisha kutoka katika ugandamizaji. Utumwa. Ukoloni. Dieu n'a jamais voulu qu'un homme fasse un autre un esclave. Mungu haja kusudia kamwe kwamba mwanadamu afanye mwenziwe mwanadamu mtumwa wake. Il nous a créé tous égaux. Alituumba sisi wote sawa sawa. Devant lui. Mbele yake. Avec les mêmes droits. Tukiwa na haki zimoja. Comme des humains. Sawa wanadamu. Et s'il était arrivé que les uns avaient pris les autres pour esclaves. Na kama ilifikiwa moja kuwatoa wengine kuwa watumwa. C'était pas le fait de Dieu. Haikukua kazi ya Mungu. C'était le fait du diable. Ilikuwa ni kazi ya shetani. Parce qu'en prenant les gens. Sababu kutoa watu. En les traitant comme des sous-hommes. Na kuwafanya kama vile chini ya wengine. Si la libération de la colonie était arrivée. Ikiwa kutoka katika ukoloni ilifika. Que la date d'aujourd'hui arrive. Na tarehe ya leo ifike. Nous aimerions souhaiter à tous les Congolais une chose. Kuna jambo moja tungalipendelea takia kila mkongomani. Ne pas célébrer l'indépendance dans le sens colonial. Sikusherekea uhuru katika hali ya ukoloni. Mais être libéré de l'emprise du diable. Bali kuwekwa huru na ugandamizaji wa shetani. Être décolonisé spirituellement. Kuwekwa uhuru kiroho. Vivre. Kuishi. Sans être colonisé par Satan. Bila kutawaliwa na shetani. Meilleur vœu d'indépendance. Sorry. Meilleur vœu d'indépendance. Uhuru mwema. Mais souhait d'indépendance spirituelle. Bali haja ni kutakia uhuru wa kiroho. Vous savez. Mwajua. Même le sujet d'aujourd'hui va dans ce sens-là. Hata somo la leo na elekea hali hiyo. Pharaon avait colonisé, avait pris en esclavage le peuple d'Israël. Pharaon alikuwa amekamata taifa la Israeli kama utu watumwa. Et c'est ça même le sujet d'aujourd'hui mais dans le sens spirituel. Na ndilo hata somo ya leo katika hali ya kiroho. Il les avait colonisés. Alikuwa amewagandamiza. Les traitait comme esclaves. Kuwafanya sawa watumwa. Mais Dieu a vu ça. Mungu akaona hiyo. Il a dit, kasema, je veux que le peuple soit libre. Nataka kwamba watu wawe huru. Je veux que le peuple soit libéré. Nataka kwamba watu wawe kwe huru. Mais Pharaon pour les libérer. Bali Pharaon kwa kuwaachilia. Avec quatre stratégies. Alikuwaka na mbinu ine. Ce sont des stratégies qui sont similaires aux stratégies de Satan. Ni mbinu ine zinazofanana na zile za Ibilisi. Et nous allons faire la comparaison. Kwa hiyo tutafanya kulinganisha. La délivrance totale contre les quatre volontés du diable. Ukombozi mkamilifu zidi ya ile matakwa ine za shetani. Le diable veut chercher à tout prix à vous retenir d'une certaine façon. Shetani kwa njia fulani anataka shikilie mwanadamu. Quatre choses. Mambo mane. Quatre volontés. Kutaka ine. Sur les auxquelles on doit se libérer. Ambazo tunapaswa wekwa huru toka nazo. On doit être indépendant. Kwamba mtu awe huru. Libre. Huru kabisa. Amen. Amina. Et le sujet d'aujourd'hui. Na, somo la leo. Ça veut dire. Linasema. La délivrance totale contre les quatre volontés du diable. Ukombozi mkamilifu wa Mungu toka kutaka ine za shetani. Être libéré. Kuwekwa huru. Complètement. Kikamilifu. Totalement. Ki ukweli. Contre les quatre choses. Zidi yale mambo mane.